الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chère maman, chère mère, cher père, cher enfant, cher élève, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de rentrer dans le thème du sujet de notre terce d'aujourd'hui, comme c'est notre habitude, on fait dua et on n'a pas le droit d'oublier de faire dua pour nos morts, nos proches qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, en souhaitant, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde dans leur tombe et de les compter incha'Allah ta'ala et de les faire rentrer au paradis. Et bien sûr, on prend cette occasion aussi pour faire dua pour nos malades, nos familles qui sont malades, la umma qui est malade. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce jour béni qui est le vendredi, le meilleur jour de la semaine, comme vous le savez. Dans ce mois béni qui est le mois de Ramadan, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde kadhalika et de leur donner la guérison, une guérison totale. Allahumma anta shafi la shifa'a illa shifa'uk. شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر المبارك اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers pères, chers frères, chères mères, chères sœurs, on continue. On continue donc à parler de notre thème qui est les conditions d'acceptation de la ilaha illallah. Comme je vous l'ai dit mercredi, c'est un thème qui est très très important. C'est un thème qui est la base de tout, le tawhid, comme vous le savez. On va le traiter, incha'Allah ta'ala, sur deux jours. On va le traiter sur deux jours, sur deux parties. Car tellement ce thème il est important, il y a énormément de choses à dire. Loin de moi, et je pense que ça y est, vous me connaissez, la manière dont je fais mes durus, loin de moi de venir et de vous citer les 7 ou 8 conditions d'acceptation de la ilaha illallah. Non. Et après sortir de là et qu'on n'a pas profité, yani vraiment, mais très peu. C'est pour cela qu'on va prendre notre temps. Et quand je dis on va le faire sur deux parties, en réalité, ça doit prendre toute notre vie de parler de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et aujourd'hui, on va passer au premier point. Au premier point, ça sera de parler sur les mérites. D'accord ? On va essayer de partager cela. Avant de parler des conditions directement, on va parler premièrement l'importance de la ilaha illallah. Retenez s'il vous plaît. On va parler premièrement de l'importance que contient cette parole. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son saint livre بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Je répète ce verset où Allah سبحانه وتعالى il témoigne lui-même, avant tout le monde, avant toutes ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala se témoigne lui-même, il se témoigne qu'il est l'unique.
Il est l'unique qui mérite d'être adoré. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Huwallahu alladhi la ilaha illa hu. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Énormément de versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de son unicité. Et énormément de hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith de Jibril, comme vous le connaissez ce hadith-là, où Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: Ya Rasul Allah, akhbirni, ya Muhammad, plutôt ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi à propos de la foi. Ma huwa l'iman? C'est quoi la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en ces termes: Al-iman. أن تؤمن بالله. La foi consiste à croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, je répète, consiste à croire fortement, sans aucun doute, en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Even, le premier point qu'il faut noter avant de rentrer directement dans les conditions d'acceptation de la ilaha illallah, c'est de voir l'importance justement de cette parole. Donc, prenez ça en titre, l'importance de la ilaha illallah. Hakikatan, véritablement, lorsque je me suis mis à préparer le cours, j'arrêtais pas d'être content. J'étais dans un état, masha'Allah, à savoir, on va parler de l'unicité d'Allah. Vous imaginez si, prenez une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala quelconque, qui a une importance, d'accord? Prenez une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a une importance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'il est important. Combien il serait content de savoir qu'il y a 2, 3, 10, 20 personnes ou plus qui parlent de lui. Combien il serait content, combien il serait fier, combien sa personne, hein, il aurait cet ego, il se dirait, ah, il y a des gens qui sont en train de parler de moi. Imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à aucune de ces créatures. Imaginez combien Allah, il doit être content à cet instant bien précis. Alors que le thème de notre dars, c'est de parler de la grandeur, de parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de parler de l'importance de la ilaha illallah, de parler des mérites de la ilaha illallah, de parler des conditions d'acceptation de la ilaha illallah, et on verra sûrement en dernier point, justement, les choses qui annulent, qui cassent la ilaha illallah. Even, le dars, il est important. Et alhamdulillahi rabbil alamin, j'ai envie de dire, je suis honoré. Un mois comme aujourd'hui, le mois de Ramadan, un jour comme aujourd'hui, le vendredi, d'avoir cette opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée de m'asseoir avec des personnes comme vous, masha'Allah, qui m'écoutez, des personnes de qualité. Wallahi, c'est
le sentiment que j'ai. À savoir, toutes les personnes qui écoutent ces paroles, j'estime que c'est des personnes de qualité, masha'Allah. Des personnes, quand je dis de qualité, des personnes qui aiment Allah, qui aiment la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que écouter les conditions d'acceptation de la ilaha illallah, c'est seulement les personnes qui font partie de l'millah, qui font partie de la ummah, qui font partie de cette parole, qui sont la famille de la ilaha illallah, qui aiment écouter ces paroles. Par contre, toute personne qui ne fait pas partie de la ilaha illallah, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle veuille prendre quelques minutes de son temps, une heure de son temps à écouter ces paroles. Sauf peut-être par curiosité. Donc, c'est un grand honneur qu'Alhamdulillah Rabbil Alamin, je répète, un mois béni comme aujourd'hui, un jour comme aujourd'hui béni, vendredi, avec des personnes, masha'Allah, de qualité qui écoutent, c'est nourun ala nour. C'est un grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne. Et j'espère, inshallah, qu'Allah nous donne la sincérité dans la propagation de la science, nous donne la sincérité dans, premièrement, dans l'acquisition de la science. D'accord? Parce qu'avant de propager, il faut acquérir cette science-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous procure la sincérité. Et qu'Allah nous procure une science utile. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aussi la sincérité dans, justement, dans la propagation, dans la da'wa. Ilallah subhanahu wa ta'ala. Toi. Premier point donc, l'importance de la ilaha illallah. Le titre, il veut dire ce qu'il veut dire. Cette parole, elle est très très importante. Écoutez bien. De toutes les paroles, ya Allah, de toutes les paroles qui peuvent sortir de ta bouche, de toutes les paroles qui peuvent sortir de ta bouche, de ta langue, que tu peux sortir de ta bouche, la parole la plus importante, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La parole la plus importante que tu peux formuler, mes chères mères, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers élèves, mes chers enfants, la parole que tu sors de ta bouche qui a la plus de valeur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas semblable, il n'y a pas comme cette parole qui est la ilaha illallah. J'atteste, je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'atteste et je témoigne que Muhammad est son dernier messager et son serviteur et messager. Vous voyez l'importance, vous comprenez l'importance de cette parole. Lorsqu'on a cette parole en importance dans notre cœur, on comprend ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Et j'anticipe, à savoir, celui qui meurt en disant cette parole, il meurt la ilaha illallah, ou bien ashhadu an la ilaha illallah, il meurt, il rentre au paradis. On comprend pourquoi. Allahu Akbar. Premier point, suivez bien. Premier point qui montre l'importance de cette parole. Et je veux que cette parole-là soit importante dans notre vie. Pourquoi j'insiste? Parce que je veux que cette parole-là, elle nous fasse vibrer, ya Allah. Que cette parole-là nous fasse trembler. Que cette parole-là nous fasse pleurer. Nous donne beaucoup d'espoir. Nous donne beaucoup de crainte, cette parole-là, subhanahu wa ta'ala. Je veux que cette parole-là nous donne beaucoup d'espoir à rentrer au paradis,
à faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, à craindre l'enfer. Allahu Akbar. C'est pour cela qu'on va prendre point par point pour montrer l'importance colossale, l'importance de cette parole. Et j'insiste et je répète, Afwan, et j'insiste et je répète le titre pour ne pas passer à côté. Elle doit nous faire trembler, mes chères sœurs, cette parole. Elle doit nous faire pleurer, cette parole. Et wallahi, il n'y a pas plus gros cadeau. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'y a pas plus gros cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne à son serviteur que de lui permettre de dire, de faire partie de ces personnes qui disent La ilaha illallah. Il n'y a pas plus gros cadeau. C'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne à son serviteur qu'il veut. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'on fasse partie de ces personnes justement qui disent La ilaha illallah, laylan wa nahara, wa fi kulli zamanin wa makan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'on fasse partie de ces personnes qui disent jour et nuit, à tout endroit, en France, aux Comores, à La Réunion, au Sénégal, au Mali, au Maroc, etc., même dans l'univers, même quand on est dans l'avion, on est dans la mer, on est sous la mer, on est partout. Alhamdulillah, qu'on fasse partie de ces personnes qui témoignent de son unicité. C'est le plus gros cadeau. Le plus gros cadeau, mes chers frères et sœurs, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il t'a choisi. Il t'a choisi pour faire partie de ces personnes, de ces élus, de ces personnes qu'Allah, il les a aimées. Il les a élevées. Par la parole « La ilaha illallah ». Car, comme vous le savez, il y a des milliards de personnes à l'heure actuelle qui meurent, qui se réveillent le matin sans « La ilaha illallah ». Qui, dans la journée, ils mangent, ils dorment, ils s'amusent, etc. sans « La ilaha illallah ». Ils dorment le soir sans la ilaha illallah. Et ils meurent, iyadhan billah, sans la ilaha illallah. Allah ne leur a pas donné cette opportunité-là. Nous, alhamdulillah, rabbil alamin, Allah nous a choisis, mes chers frères et sœurs. Soyons conscients que c'est minna. C'est quoi? C'est un bienfait qu'Allah nous a donné. C'est un bienfait qu'Allah nous a donné. Si on n'est pas reconnaissant, Allah, il peut nous l'enlever. Je répète, si on n'est pas reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous l'enlever. A'iyadhan billah. Alhamdulillah. Premier point qui montre l'importance de la ilaha illallah. Sachez-le. Par cette parole, ou pour cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette parole, Allah, il a créé toutes les créatures, qui existent, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, mais toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créées, c'est pour témoigner de la ilaha illallah. Toutes les créatures. Subhanallah. Min ajlihi khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala hadha al-kawn. Les anges, Allah, il les a créés pour témoigner de la ilaha illallah. Les êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés pour témoigner de la ilaha illallah. Les djinns, Allah, il les a créés pour témoigner de la ilaha illallah. Les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés pour témoigner de la ilaha illallah. Les insectes, voire même cette nature, la nature, les plantes, les arbres, les montagnes, ils témoignent de la ilaha illallah. Vous voyez combien cette parole est importante? Donc premièrement, de savoir que pour cette parole, Allah il a tout créé. Pour croire, pour témoigner de son unicité. Deuxième point,
qui montre l'importance de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, retenez et écrivez-le, Allah il a créé le paradis et l'enfer pour les gens qui soit ils témoignent de la ilaha illallah ou bien qui ne témoignent pas. Allah il a créé, je répète, Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le paradis. Wa nas'alu Allah an nakuna min ahliha, et on demande à Allah de faire partie des gens qui rentreront au paradis, bila hisabin wa la iqab, sans jugement, ya Allah. Faites-nous rentrer au paradis, ya Allah, sans jugement. Ya Allah, sans jugement. Faites-nous rentrer au paradis, ainsi que nos proches, nos parents, masha'Allah, avec son bien-aimé, prophète, alayhi salat wa salam, dans le plus haut degré du paradis. Jannatul Firdaus. Par la porte Ar-Rayyan, ou bien par toutes les portes du paradis, ya Allah, ya Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'enfer et le paradis. Il a créé la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Afwan, il a créé, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le paradis et l'enfer. Pour les gens qui disent la ilaha illallah, le paradis, et pour les gens malheureusement, et on dit malheureusement, car on n'en est pas fier de dire cela, de pointer le doigt, ce n'est pas notre objectif. Ahibati fillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait avant de mourir, et disait Ummati, Ummati, ma communauté. Il aurait aimé voir toute sa communauté au paradis. Naam, ahibati fillah. Allah, à cet effet, il nous dit quoi? Inna alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kanat lahum jannatul firdaws nuzula. Inna alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kanat lahum jannatul firdaws nuzula. Certes, ceux qui auront cru et auront œuvré, bien œuvré. Ça suffit pas la croyance, mais aussi bien œuvré, ils auront comme demeure Jannatul Firdaus nuzula. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a créé l'enfer justement pour ceux qui ne croient pas. Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Ayadan billah. Ayadan billah. Qu'Allah nous en préserve. Toi. Troisième point qui montre l'importance de la ilaha illallah. Troisième point qui montre l'importance de la ilaha illallah, à savoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les prophètes, depuis Adam, pour les savants qui disent que Adam c'est le premier prophète, et depuis Nuh, pour les savants qui disent que le premier prophète c'est Nuh, il les a tous envoyés jusqu'au dernier prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'imam de tous les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a tous envoyés avec comme message la ilaha illallah, de dire à leur peuple: dites la ilaha illallah, vous allez réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Vous imaginez tous ces prophètes, ces 300 et quelques prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a tous envoyés avec comme mission de dire, d'enseigner, de propager comme quoi? La ilaha illallah. Allah, il nous dit quoi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Dans chaque communauté, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un prophète. فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. De n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah. Et Allah nous dit كذلك: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي.
Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit cela. Le message de tous les prophètes, c'est d'enseigner leur peuple comme quoi il n'y a qu'un seul qui mérite d'être adoré et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre. Et d'autres points, là j'ai cité que ces points-là pour montrer le caractère très très important de cette parole pour qu'on le ressente. Qu'on a, mashallah, en nous, dans notre poitrine, on cache une parole qui est énorme, 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 énorme. Toi. Maintenant, on va passer au deuxième point. Deuxième point qui est quoi? Fadl la ilaha illallah. Les mérites de la ilaha illallah. Les mérites de la ilaha illallah peuvent se ressembler avec ses proches du, bien sûr, de l'importance de la ilaha illallah. On pourrait en faire qu'un seul titre. L'importance de la ilaha illallah, et donc on mettrait les mérites ensemble, ou bien les mérites de la ilaha illallah, on mettrait l'importance de la ilaha illallah. Mais d'en faire deux titres, c'est pour bien, bien, inshallah, organiser le cours. Barakallahu fikum. Toi, mes chers frères et sœurs, encore une fois, l'important, c'est pas seulement de citer les points 1, 2, 3, 4, 5, mais de comprendre cela, de vivre cela, et de propager. D'accord? De propager cette lumière. Car la science, la bonne science, la science religieuse, c'est quoi? C'est une lumière. Toi. Premier point qui montre l'importance de la ilaha illallah, c'est quoi? C'est de dire que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Allahu Akbar. Miftahul Jannah. D'accord? La ilaha illallah. Miftahul Jannah. La clé du paradis, c'est quoi? Pour pouvoir rentrer au paradis, il te faut une clé. Comme si tu veux rentrer chez toi, il te faut une clé. Tu veux ouvrir la porte de ta voiture, il te faut une clé. Si tu n'as pas cette clé-là, tu ne peux pas rentrer. D'accord? Peu importe la clé. Et nous, la clé du paradis, mashallah, la clé du paradis, elle n'est pas en enfer. Pardon, elle n'est pas en fer plutôt, elle n'est pas en fer, elle n'est pas en cuivre, elle n'est pas en or, non. La clé du paradis, c'est cette parole-là. Tu dis cette parole avec ces conditions, les portes du paradis te sont ouvertes. Les anges qui sont là, qui gardent les paradis, les portes du paradis, Allahu Akbar. Et quelles portes immenses, les portes du paradis. Ils n'autoriseront personne, ils n'autoriseront une personne qui ne dit pas là, il a... Non, toi tu pars. Et donc, premièrement, donc, on dit parmi les mérites, s'il vous plaît, les mérites de la ilaha illallah, c'est de dire que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Premier point, la clé du paradis. Dalil fi dhalik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Ma min abdin, il n'y a pas un serviteur d'Allah. Ma min abdin qala la ilaha illallah, thumma mata ala dhalika, illa dakhala al-jannah. Alhamdulillah. Ce hadith-là, il est magnifique. Essayez de suivre. Écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a aucun serviteur qui ne dise la ilaha illallah sans pour autant qu'il rentre au paradis. Et Abu Dharr, si je me rappelle bien, Abu Dharr, il pose la question et demande, « Ya Rasulallah, wa in zana wa in saraq ?» Même s'il a, il a fait zina, d'accord, il a couché avec une femme qu'il ne devait pas, soit une autre femme, ou soit il n'était pas marié, l'adultère ou la fornication, même s'il a fait ce grand péché, et même s'il a volé, il rentrera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé, il a dit quoi? Wa in zana wa in saraq. Même s'il a fait, il a commis ce péché-là, il rentrera au paradis, il dit la ilaha illallah. Et il est étonné, il dit une deuxième fois, même s'il a fait, il a commis ses péchés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Même s'il a commis ses péchés-là, il rentrera au paradis. Et Abu Dharr, il s'étonne encore une fois, il dit troisième fois, même s'il a commis l'adultère, la fornication, il a volé, il rentrera au paradis, il dit la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde, il dit oui, même si... Rahma anfi Abu Dharr. Même si Abu Dharr, il est pas content, il ne comprend pas, d'accord? Mais il rentrera au paradis. Et ici, bien sûr, c'est pour montrer
que quiconque meurt avec la ilaha illallah, tôt ou tard, il rentrera au paradis. Mais nous, bien sûr, ahibbati fillah, on ne veut pas faire partie de ces personnes qui vont faire un séjour en enfer. La hawla wa la quwata illa billah, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Quiconque veut cela, lève la main. Je baisse la main. Ah, je baisse la main. Personne ne lève la main. Personne ne lève la main. Quiconque veut rentrer en enfer, lève la main. Vous voyez, personne ne lève la main. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. La hawla wa la quwata illa billah. Par contre, quiconque veut rentrer au paradis, lève les mains. Les deux mains, on lève. Allahu Akbar. On lève les mains, mes enfants. On lève les mains. D'accord? On lève les mains. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. On en est fiers. Ya Allah, témoigne qu'on veut rentrer au paradis. Ya Allah, sois témoin, Ya Allah, qu'on veut rentrer au paradis. Et qu'on ne veut pas être parmi les orgueilleux. Ya Allah. On lève les mains, on lève les têtes, on lève tout. Ya Allah, on veut rentrer au paradis. Masha'Allah, il y a des membres de ma famille qui se mettent debout. Walhamdulillah. Pourquoi on veut rentrer au paradis? Walhamdulillah. Directement. Et donc, à comprendre ce hadith-là. À savoir quoi? Il y en a qui vont séjourner en enfer, mais étant donné que dans leur cœur, il y a la ilaha illallah, à un moment donné, ils sortiront de l'enfer, ils rentreront au paradis. Mais on n'en veut pas. On veut pas. On veut rentrer parmi ceux qui rentreront au paradis, ya Allah, sans aucun jugement. Et Allah, il en est capable. Donc, premier point qui montre l'importance de la ilaha illallah, c'est que la ilaha illallah, c'est quoi? Miftah al-Jannah. Les savants, ils disent, écoutez bien, la ilaha illallah, tout simplement, ne suffit pas. Vous voyez une clé? Vous voyez une clé? Pour que la clé elle puisse être bonne, il y a des dents. Tac, 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 tac. Il y a un code. Soit il y a des dents, il y a un code. Tu as la clé, mais tu n'as pas le code, ça ne marchera pas. Tu as une clé, ces dents-là, elles sont cassées. Tac, 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 tu vas casser la porte, mais ça rentrera pas. Ça ouvrira pas. Ils disent, les savants, c'est quoi? Les dents de la ilaha illallah, justement, c'est quoi? C'est les cinq prières. C'est le ramadan, c'est le hajj, c'est les bonnes actions, c'est respecter les parents, etc., etc. Ça, toutes ces adorations-là, accompagnent la clé du paradis. Qu'est la ilaha illallah. Mais si maintenant tu passes ton temps à dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, pas de prière, pas de ramadan, etc., ben vous allez voir que les conditions là, elles sont pas présentes. Deuxième point, deuxième mérite de la ilaha illallah. Moi, je suis fier, mes chers frères et sœurs, de ce dars. Je suis fier et en même temps, j'en ai, comment on dit, la chair de poule, hein, on dit comme ça. Pourquoi? C'est important. Et j'aimerais pas bâcler. J'ai peur que vous ne saisissez pas l'importance de la ilaha illallah et les mérites de la ilaha illallah, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide ce qu'il veut. Allez, deuxième point qui montre les mérites de la ilaha illallah, c'est que cette parole-là, suivez-le et notez-le, cette parole-là, elle pardonne nos péchés. Par cette parole, quiconque prononce cette parole-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne ses péchés, même si elles étaient tellement nombreuses comme l'écume de la mer. Et dans un instant, on va, parce que j'ai dû aller regarder dans le dictionnaire la définition de écume. Dans un instant, on va la lire, mais avant cela, on lit le hadith en arabe. Je répète, parmi les mérites de la ilaha illallah, c'est cette parole-là, elle pardonne, elle efface les péchés. Cette parole-là, elle efface les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Ma 'ala al-ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah illa kafarat 'anhu khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr wa in kanat mithla zabadil bahr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il y a personne, ma 'ala al-ardi ahad, il n'y a personne sur la terre qui dit cette parole. La ilaha illallah. Et il ajoute, Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, il faut les conditions. On verra les conditions. Lorsque tu as ces conditions-là, et tu dis cette parole, la récompense qu'Allah il te donne, c'est quoi? C'est qu'Allah il te pardonne tes péchés. Et comme vous le savez, moi le premier qui vous parle,
on commet des péchés. Moi, le premier qui vous parle, j'ai besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me pardonne. Nous tous, on est des pécheurs. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela, encore une fois, souvent je vous le dis, on n'a pas le droit de montrer du doigt, de pointer du doigt. On ne pointe pas du doigt un frère ou une sœur, ou peu importe, on ne pointe pas du doigt. Pourquoi? Parce que peut-être il est meilleur que toi, sans que tu ne le saches. Peut-être auprès d'Allah, il est meilleur que toi, il a des qualités qui font qu'Allah, il aime. Et toi, tu es là? Peut-être que non. D'accord? Al-Muhim, mes chers frères et sœurs, c'est que nous tous, on commet des péchés. Kullu bani Adam khata. Et selon les péchés qu'on commet, il y en a qui ont beaucoup de péchés, et il y en a qui n'ont pas beaucoup de péchés, walhamdulillah. Faisons en sorte qu'on n'en ait pas beaucoup, et faisons en sorte qu'au moment où Allah nous choisira, l'ange de la mort viendra, qu'on n'ait aucun péché. On n'ait aucun péché. La page, elle soit blanche. C'est ça l'objectif. Et pour cela, il faut s'éloigner des grands péchés. Jeannette, tu peux lire, ça veut dire quoi, écume? S'il te plaît. Écume, mousse blanchâtre qui se forme à la surface d'un liquide agité ou chauffé. La mer laisse de l'écume sur la plage en se retirant. Très bien, barakallahu fik. C'est bon. Merci. J'espère que vous avez compris, entendu cette petite voix, masha'Allah. L'écume, ben, l'écume c'est ça. L'écume c'est cette matière qui est formée après que les vagues de la mer, vous voyez quand les vagues de la mer ils viennent, les vagues elles viennent sur la plage ou sur le bord de la mer, d'accord? Et lorsqu'elles partent, elles laissent de l'écume, elles laissent comme un truc mousseux, d'accord? Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah il pardonne à quiconque dit cette parole la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, même si ses péchés il y en a énormément, même si ses péchés c'est des milliards, même si ses péchés remplissent l'espace qu'il y a entre la terre et l'univers, la terre et le ciel, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala il les efface. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allah an yatuba alaykum. Allah il aime. Ya jama'a, inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah il aime ceux qui demandent pardon. Allah il aime pardonner. Allah il aime pardonner. Ça lui fait plaisir d'entendre. Allah, sachez-le, Allah, ça lui fait plaisir de voir son serviteur après avoir commis un péché. Allah, il aime voir son serviteur, après avoir commis un péché, de revenir vers lui. Ya Allah, je reconnais que j'ai été injuste. Je reconnais que j'ai pas fait la prière à l'heure alors que je pouvais. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que j'ai volé. Je reconnais que j'ai mal parlé. Je reconnais que j'étais injuste envers toi, envers les gens, et je te demande pardon. Allah, il aime énormément cela. Allah, il aime nous voir regretter après avoir commis un péché. Allah, il n'aime pas nous voir commettre des péchés. D'accord? Mais lorsque on commet un péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime nous voir demander pardon. Troisième point qui montre les mérites de la ilaha illallah. Magnifique celui-là aussi. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi, mes chers frères et sœurs? Mes chers enfants, quiconque, dont sa dernière parole sur cette terre-là avant de mourir, c'est de dire « La ilaha illallah » ou bien « Ashhadu an la ilaha illallah anna Muhammad al-Rasulullah » et il meurt, il rentre au paradis. Et ça, c'est pas donné à qui. Ça n'est pas donné à n'importe qui. C'est les personnes qui ont « La ilaha illallah » dans le cœur. Chère famille, les personnes qui ont la ilaha illallah dans leur cœur, Inch'Allah, ils meurent avec cette parole-là. Ya Allah, j'ai beaucoup d'anecdotes dans cela. Je vais en citer un. Mais avant cela, regardez comment les gens ils meurent. Il y en a qui meurent, la hawla wa la quwwata illa billah, comme vous le savez, en sortant de boîte de nuit le vendredi, samedi, parce qu'ils ne travaillent pas le jour d'après, et ils viennent. Voiture bourrée, a'yadam billah, et c'est des musulmans. Hein.
C'est des musulmans. Je ne parle pas des non-musulmans. C'est des musulmans. Ils se donnent à la drogue. Ya salam. Oh, moi, ces jours-ci, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Je suis parti pour aller livrer vos commandes de manuels. Je suis allé dans une ville, peu importe, je ne vais pas citer le nom. C'était pendant le mois de Ramadan et vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que j'ai vu des jeunes d'apparence musulmans. Ils étaient là avec leurs cigarettes. Ils étaient là avec leurs joints. Ça m'a fait mal au cœur. Pendant le mois de Ramadan, mon frère, il n'y avait pas que des garçons, il y avait aussi des filles. Pendant le mois de Ramadan, tu oses faire ça. Subhanallah. Vous voyez un petit peu comment ces gens-là vont mourir. Ils vont mourir en fumant. Ils vont mourir en se droguant. Et ce n'est pas un souhait qu'on fait. Mais malheureusement, c'est un état de lieu. Ils meurent dans une boîte de nuit. Il y en a qui meurent aux toilettes en train de vomir. Et d'autres, masha'Allah, walhamdulillah, ils meurent en disant la ilaha illallah. Un jour, j'ai écouté un dars. J'aime beaucoup ce dars-là. Rapidement, je vais le citer. Cette histoire-là, cette anecdote. C'est un frère, masha'Allah, il roule, tac, sa voiture, elle tombe en panne, en plein milieu de la route, tombe en panne, et donc il se met de côté pour regarder sa panne. Et une grosse voiture arrive, bien une voiture vient à vive allure, et tape sa voiture et le cogne, et il tombe, mourant. Il n'est pas mort sur place, d'accord? Il est là, gravement blessé. Les ambulanciers, l'histoire, ça devait être dans un pays musulman. L'ambulance, il vient à vive allure, il le prend et il ramène à l'hôpital. Et sur le chemin, c'est l'ambulancier qui dit, hein. Il dit quoi? Lorsqu'ils ont vu le frère, ils ont vu qu'il avait une apparence d'un bon musulman. D'accord? Il avait l'apparence d'une personne qui pratiquait, masha'Allah. Alors qu'il conduisait derrière lui, derrière, avec les blessures, ya Allah. Avec les blessures. Essayez d'imaginer ça. Il trouve la force, pas de se plaindre, hein, il trouve la force de lire Al-Qur'an. Il était là à lire Al-Qur'an, ya Allah. Il était là à lire Al-Qur'an. Au moment de mourir, ce frère qui s'appelle Ahmed, il lisait Al-Qur'an. Et l'ambulancier raconte, ça l'avait touché. La voix qu'il dégageait, la belle voix qu'il dégageait, ça les avait touchés. Et à un moment donné, il s'est arrêté de lire. Et après, ils se sont retournés pour voir pourquoi il arrête de lire. Et là, il le voit, il lève la main comme ça. Et il dit, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et il meurt. Allahu Akbar. Il meurt en disant La ilaha illallah. Il meurt en lisant le Coran. Le paradis pour lui, Inch'Allah. Vous voyez? Lorsque tu meurs, ce que tu as dans le cœur, c'est ça qui ressort à ce moment-là. Il avait le Coran dans son cœur. Il avait la ilaha illallah au niveau de sa bouche. Ya Allah. Il y a des personnes, dans une journée, ils ne disent pas la ilaha illallah, sauf s'ils sont en prière. En dehors de cela, ils sont avec, permettez-moi de dire ça, parce que vraiment ça me choque. Ils sont avec Shaitan. Ils sont avec Shaitan. Et Shaitan, bien sûr, il les fait oublier la ilaha illallah. Perte de temps. Et d'autres personnes, masha'Allah, dans la journée, sont là avec la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, etc. Vous voyez la différence entre celui qui meurt, comme une autre anecdote, entre celui qui meurt et dit « je brûle », alors qu'en réalité, il ne brûle pas. D'accord? Mais c'est le feu à l'intérieur. Il voit l'ange de la mort, etc. Et il dit là, il meurt, il brûle. De celui qui meurt, Allahu Akbar, qui pointe le doigt, l'index vers le haut, et qui regarde et qui dit là, il a, avec un joli sourire. Les ambulanciers, ça les avait beaucoup touchés. Ils sont arrivés à l'hôpital, je regarde l'heure, ils sont arrivés à l'hôpital, et ils ont dit, ils ont trouvé ses papiers, ils ont appelé ses parents. Ils sont tombés sur son frère. Ils ont dit, voilà, votre frère, il est décédé, mais il est décédé d'une manière magnifique. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faisait cette personne pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait donné ce cadeau? Qu'est-ce qu'il faisait? Car c'est un cadeau, mes chers frères et sœurs.
d'avoir cette opportunité de mourir en disant la ilaha illallah. Pas de mourir, il y en a qui meurent en chantant du Johnny Hallyday, en chantant du sais pas qui. Vous voyez un petit peu, il y en a qui meurent en chantant, il y en a qui meurent en dansant, il y en a qui meurent devant la télé en train de regarder des choses qu'ils auront des comptes à rendre devant Allah. Il y en a qui meurent. Il y en a d'autres qui meurent en prosternation. Il y en a qui meurent en faisant l'adhan. Il y en a qui meurent en lisant le Coran. Il y en a qui meurent, mashallah, en priant tout simplement. Quel cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fait. Quel magnifique cadeau. Et donc son frère, il dit, mon frère, moi, il ne faisait rien de spécial. À part le fait que tous les lundis, il raconte cette histoire, il dit tous les lundis, il prenait sa voiture et il allait rendre visite à nos grands-parents. Je crois que c'était les grands-parents. Il allait rendre visite à nos grands-parents qui habitaient dans un village très lointain. Tous les lundis. Et dans le coffre de sa voiture, il prenait des vivres, d'accord, de la nourriture, etc. Il ramenait dans ce village et comme ça, il partageait. Il partageait aux enfants. Il disait même que même les bonbons, il donnait. Magnifique. Et après, les grands-parents, quand ils lui disaient, mais ne viens pas tous les lundis, c'est lourd, etc. Il disait quoi? Je profite sur la route pour réviser le Coran. Je profite sur la route pour écouter des douros, etc. Vous voyez un petit peu la vie bénie d'une personne qui est imprégnée de la ilaha illallah, qui aime la ilaha illallah. C'est ça le cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut lui donner. Alhamdulillah. Donc, parmi les points qui montrent les mérites de la ilaha illallah, c'est quiconque meurt avec cette parole et rentre au paradis, inshallah. Allez, quatrième point. Il y en a, mes chers frères et sœurs. Et c'est des points magnifiques. C'est des points magnifiques. Lorsqu'on les lit, ou bien on écrit, ou bien on prépare, on n'a pas envie de s'arrêter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Athqalu shay fil mizan. La ilaha illallah, c'est la chose la plus lourde dans la balance. Pas dans la balance yawm al-qiyama. Non, dans la balance tout simplement. Écoutez bien l'histoire. Vous êtes au courant, vous connaissez cette histoire. Moussa alayhi salatu wassalam. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, allimni shay'an adhkuruka bihi. Ô Moussa, ô Allah, enseigne-moi quelque chose que je ferai le rappel, que je me rappellerai de toi. Enseigne-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Ya Moussa, qul, dis, la ilaha illallah. Dis cette parole-là. La ilaha illallah. Et Moussa, il a dit quoi? Qal, kullu ibadika yaquluna hadha. Tous tes serviteurs disent cette parole. Tous tes serviteurs disent la ilaha illallah. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit quoi? Ya Moussa, ô Moussa, sache-le. لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة لا ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. حديث رواه الإمام الحاكم. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, ô Moussa, sache que si Allah y prend l'univers entier, la terre et ce qui contient, etc., en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, d'un côté d'une balance, et on prend la ilaha illallah et on met dans un autre côté de la balance, la ilaha illallah serait plus lourd, cette parole-là. Et là, Moussa, bien sûr, il a compris. Walhamdulillahi rabbil alamin. Il nous reste quelques points encore avant de citer le troisième point qui est les shurut, les conditions d'acceptation. Je vais les citer cela rapidement, malheureusement. Parmi les points qui montrent l'importance de la ilaha illallah, j'espère que vous comprenez, vous mesurez, vous ressentez l'importance de la ilaha illallah, à savoir, parmi cela, cinquième point, c'est que ça nous protège de shaitan. Alhamdulillah. On a besoin de protection de shaitan. Ben dites-vous que la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, etc., ça nous protège de shaitan. À cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque dit le matin, après salat al-subh par exemple, 100 fois, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu mulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois, parmi les effets de cela,
C'est comme si il a, que je retrouve le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que cela lui protège Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il a, il a rendu la liberté à 10 esclaves. Merci. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense qu'il a, qu'il lui donne, c'est comme s'il avait rendu la liberté à 10 esclaves. Et kadhalika, Allah, il écrit, mi'a hasana, 100 hasana. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhalika hirzan min ash-shaytan. Allah, il le protège de shaytan ce jour-là. Hatta yumsi. Jusqu'au soir. Et le soir, s'il le dit, jusqu'au matin. On a besoin de protection contre shaytan. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kadhalika, parmi les points importants, parmi les points importants qui montrent la ilaha illallah, c'est que cela, ah, ça c'est important, c'est que cela nous aidera à avoir l'intercession du prophète alayhi salatu wasalam yawm al-qiyamah. Le prophète, il va intercéder yawm al-qiyamah en faveur de personnes qui peut-être devaient rentrer en enfer ou des personnes qui sont en enfer, etc. Le prophète, il va intercéder. Et le prophète Sam, il nous dit, après que Abu Huraira lui ait demandé, qui parmi les personnes mérite le plus ton intercession, Yawm al-Qiyamah? Qui parmi les personnes, les êtres humains, mérite plus ton intercession, Yawm al-Qiyamah? L'intercession du prophète Sam, très très important. Et là, le prophète Sam nous dit quoi? As'adu an-nasi bi shifa'ati Yawm al-Qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui sera le plus à même de mériter son intercession yawm al-qiyamah, c'est celui qui dit la ilaha illallah en étant sincère dans son cœur. En étant sincère dans son cœur. Barakallahu fikum. Allez, septièmement, et c'est le dernier point, c'est le dernier point qui montre les mérites de la ilaha illallah. Il y en a d'autres. Vous voyez, il y en a d'autres, mais pour ne pas trop s'étaler. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quiconque dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu mulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes des cieux. Allah, il ouvre les portes des cieux. Il regarde celui qui dit cette parole. Ah, mais c'est qui est en train de me louer à ce moment, à cet instant? C'est qui est en train de dire, il n'y a point de Dieu qui mérite d'être adoré à part toi, wahdahu, l'unique, la sharika la, qui n'a pas d'associé, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, celui qui appartient à la souveraineté, etc. Et que il est capable de tout faire, rien n'est difficile pour lui. Quiconque loue Allah en ces termes, tellement Allah ça le touche, tellement Allah il est content, qu'Allah il fente les portes des cieux et il regarde. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Et quiconque Allah il le regarde de cette manière là, Allah il exaucera sa doua. Allah il exaucera sa doua. Je m'arrête là mes chers frères et sœurs, et je dis inshallah ta'ala, je vais voir pourquoi pas lundi, parce que lundi on a programmé de faire le cours sur le tawhid, mais avec le support, avec le livre. Le livre, Chenet, tu peux me l'apporter rapidement s'il te plaît, le livre Apprends-moi le Tawhid des éditions Al-Qamar. Et là ça sera la leçon numéro 4 et la leçon numéro 7 Inch'Allah, c'est ce livre là et on va envoyer Inch'Allah aux frères et sœurs, c'est celui-ci, d'accord, Apprends-moi le Tawhid des éditions Al-Qamar, et on va voir la leçon numéro 4 et la leçon numéro 7. Et les personnes qui nous ont envoyé leur boîte mail, on va leur envoyer, Inch'Allah ta'ala, ces deux leçons-là. Très bien. Donc, peut-être que la suite du DAF d'aujourd'hui, ça pourrait être demain. Si vous êtes d'accord pour qu'on fasse un cours exceptionnellement deux jours d'affilée, ça peut être demain. Ou bien, ça peut être dimanche. D'accord? À vous d'interagir si vous voulez que ça soit demain la suite. Et là, la suite, on va parler, Inch'Allah ta'ala, des conditions d'acceptation de la ilaha illallah. Et on verra aussi en même temps les points qui cassent, qui annulent justement la ilaha illallah.
Et donc, vous nous dites si vous le sentez plus demain ou un autre jour. Bimashi'atillahi tabaraka wa ta'ala. Avant de vous laisser pour la deuxième partie des questions, Inch'Allah ta'ala, je tiens encore une fois, souvent je le dis, hein, à remercier ces jours-ci, Masha'Allah, les personnes qui nous suivent attentivement, en espérant qu'ils profitent pleinement des durous. D'accord, que cela nous fasse augmenter notre foi et notre pratique et non le contraire. D'accord, que pas que cela nous fasse rabaisser notre foi. Là, c'est pas bon. Et bien sûr, on remercie les frères et sœurs, mashallah, qui ont passé commande du pack Ramadan. Alhamdulillah, ces jours-ci, même si j'ai un petit pincement au cœur. Pourquoi j'ai un pincement au cœur? Parce que depuis hier et aujourd'hui, il n'y a pas eu de commande, tout simplement. Donc j'en suis triste. J'en suis triste. Il n'y a pas eu de commande. Après, Allahu a'lam, peut-être parce que apparemment notre site il a bugué. Et là, notre technicien il est dessus. J'espère que c'est le cas et que si vous aviez des commandes à passer, si vous n'avez pas réussi, peut-être réessayer avec Instagram et avec PayPal, etc. En tout cas, vraiment, vraiment, on souhaite et merci pour les retours qu'on a eus, à savoir malgré bien sûr les quelques imperfections qu'il y a dans nos manuels, la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous témoignez, masha'Allah, de leur utilité et de leur science. Et on demande à Allah qu'il nous donne une science utile à nous et à nos enfants. Et bien sûr, j'encourage vivement, j'encourage et je remercie, masha'Allah, car je connais, je ne vais pas citer de nom, des personnes qui ont commandé pour eux, pour leur enfant, bien sûr, et qui ont pris le téléphone. Wallah, ils ont pris le téléphone directement, et ils ont téléphoné les membres de leur famille qui ont des enfants et qui ne connaissent pas, qui n'ont pas connaissance du pack Ramadan. Et là, mashallah, ils ont fait un travail colossal, à savoir, ben, ils ont passé le mot, et il y a eu des commandes, il y a des enfants qui sont à cet instant-ci heureux de lire, de découvrir le Ramadan grâce à eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Man dalla ala khayri kafa'ilihi. Et ici, j'ai une petite anecdote avant que je m'arrête. Bah, justement, il y a une personne qu'on est parti livrer, masha'Allah. On est parti livrer, ou je suis moi-même parti livrer. Et au même moment, c'était son voisin. Son voisin, il était là. Et subhanallah, elle s'est pas arrêtée, mais elle en a parlé à son voisin. Dit, ben voilà, c'est un frère qui ils font des magnifiques livres. Et le voisin, tout content, alhamdoulillah, il a dit, est-ce que tu en as? Et il a pu acheter. Donc vraiment ça, j'arrête pas de vous dire, à savoir, ben, ça nous aide à vivre tout simplement. Et si Al-Qamar est là pour faire des beaux produits, c'est pour vous, c'est pour la Ummah. Mais derrière ces produits, j'ai envie de dire, il y a des frais, et ces frais-là, grâce à vos achats, alhamdoulillah, on peut vraiment, yani, on peut subvenir à ces frais, à savoir l'impression des livres, etc., etc. Barakallahu fikum, et à tout de suite, incha'Allah ta'ala, wa l'afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nous voilà réunis pour la deuxième partie, masha'Allah, avec la partie des remarques et des questions, en espérant, inshallah, que cette première partie des conditions d'acceptation de la ilaha illallah vous a été utile. Car c'est vraiment, vraiment, vraiment utile, hein, cette science, à savoir la science de Tawhid. Sans elle, soit on n'est pas musulman, ou soit on pense être musulman, ou bien notre islam n'a pas de valeur si on prie, on fait le ramadan, et que en réalité, on n'a pas les conditions d'acceptation de la ilaha illallah. T'imagines un instant, on vit des années, des années, des années, et que Yawm al-Qiyamah, on vient, on nous dit non, toi tu rentres pas au paradis. Comme certains, attention, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous dire, imaginez un instant, ben, c'est ce qui va se produire. C'est ce qui va se produire, mes frères et sœurs. À savoir quoi? Le prophète ensemble, il nous dit dans un hadith que Yawm al-Qiyamah, il y en a qui viendront devant la porte du paradis. Pourquoi? Ben, parce qu'ils pensaient être musulmans. Et le prophète, il sera là pour les accueillir. Et là, les anges,
les gardiens du paradis, ils vont dire suhqan, suhqan, allez-vous-en, partez. Ya Allah. Et là, le prophète s'en va dire, mais est-ce qu'ils font pas partie de ma umma? Et les anges, ils diront au prophète, alayhi salam, baddalu wa ghayyaru. Je sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils ont changé ta religion, la foi qu'ils avaient, etc. Et malheureusement, pourquoi? Ben, le tawhid, il n'était pas là. La ilaha illallah, il n'était pas là. Donc, accrochez-vous bien. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez vu l'importance de, justement, de la ilaha illallah. On a vu ça, l'importance, les mérites de la ilaha illallah. Énormément magnifique, magnifique. Et lorsqu'on parlera de les conditions, justement, d'acceptation de la ilaha illallah, vous allez voir que, ya salam, est-ce qu'on les a, ces conditions-là? Est-ce qu'on les a? Inch'Allah, j'ai bon espoir qu'on en a. Il faut courir, il faut faire en sorte qu'on les ait, ces conditions-là. Et je ne veux pas vous faire peur, mais j'ai bon espoir qu'on les a. Après, bien sûr, il faudra faire en sorte que, qu'on les acquiert et qu'on les affermisse et qu'on les augmente, on les augmente, on les augmente. Je vais vous citer par exemple les sept, d'accord, sept. Déjà, la science, al-ilm, la science. Deuxièmement, al-yaqin, la certitude. Troisièmement, al-qaboul, l'acceptation, accepter cette parole. Quatrièmement, al-inqiyad ou al-istislam, c'est de mettre en pratique cette parole, vous voyez un petit peu. Al-sidq, c'est être la véracité dans cette parole-là, la dire avec véracité. Sixièmement, al-ikhlas, la sincérité. Et septièmement, al-mahabba, aimer cette parole. Vous allez voir que lorsqu'on va développer ces points-là, fort possible que certains de ces points, soit on les a pas du tout, ce qui m'étonnerait, ou soit c'est très faible en nous. Il faudra vous réaugmenter, il faudra travailler, il faudra repartir de plus belle pour que justement ces points-là, ces sept points que je viens de citer, et l'huitième, on verra, Inch'Allah Ta'ala, il faut que ces points-là, qu'on les ait, mes frères et sœurs, chères familles, ces points-là qui ont été cités par les savants, il faudra qu'on les atteigne et qu'on les ait et qu'on les affirme en nous. Toi, y a-t-il des questions faciles? Celui qui ne donne pas zakat a le mal par oubli ou ignorance, puis ensuite il est au courant, doit-il rembourser les zakat qu'il n'a pas donné? Toi, Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Celui, zakat le mal, ça fait partie des zakat, des sortes de zakat qu'on doit donner. Lorsque notre argent atteint un certain degré, ou un certain pourcentage plutôt, on doit absolument donner la zakat. Si on n'a pas donné les années passées, par ignorance, ou bien par oubli, et qu'on vient et qu'on nous dit, ah, tu devais donner de la zakat d'il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans, etc. Tu te rends compte que tu étais en tort pendant ces années-là. J'ai ma petite idée, mais elle n'est pas basée sur des dalils. Du coup, je ne donnerai pas la réponse maintenant. Vous pouvez vous renseigner ailleurs, mais étant donné que je n'ai pas de dalil dans ce que je vais dire, vaut mieux que je garde pour moi. Après, Inch'Allah, qu'Allah me facilite à chercher la réponse. Vous voyez, c'est ça la science, mes chers frères et sœurs. La science, c'est de ne pas avoir honte de dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Je suis ignorant à cette question-là, comme à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. L'imam Malik, rahimahullah. Suivez bien, l'imam Malik, c'est une montagne de science, l'imam Malik. Un jour, il y a un homme, il est venu, il a fait des kilomètres à pied, ou à Dodan, peu importe, pour venir poser des questions à l'imam Malik. Et l'imam Malik, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas un imam, c'est un fou. C'est, le mot savant est trop faible. Lorsqu'on parle de l'imam Malik. Et cet homme-là, il est venu, il lui a posé la question. Première question, l'imam Malik, il dit, je ne sais pas. Deuxième question, je ne sais pas. Troisième question, je ne sais pas. Très peu des questions, il savait. Oh, la personne, elle s'est énervée. J'ai fait toutes ces kilomètres pour que tu viennes me dire que je ne connais pas. C'est pas possible. Tu n'es pas l'imam Malik.
Lui, il fut l'imam Malik. Et il lui a dit quoi? Si tu veux, tu me prends et tu me fais tourner dans toute la ville de Médine et tu dis que l'imam Malik, c'est un ignorant. Mais je ne dirai pas sur Allah ce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu veux m'afficher comme quoi je suis ignorant, il n'y a pas de souci. Mais je ne dirai pas sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que je ne sais pas. Apprenons à dire, mes chers frères et sœurs, je ne sais pas. Lorsqu'on nous pose une question et qu'on n'a pas de science. Et après, bien sûr, aller chercher si possible. Une question que, avant que j'oublie, une question que une personne que j'aime beaucoup me pose. D'accord? Cette personne-là, c'est ma petite fille. Mashallah, me pose. Donc voilà, elle fait partie de ces personnes que j'aime beaucoup. Comme vous et tous mes enfants, mashallah. C'est quoi sa question? Une personne qui prend un stylo pendant le mois de Ramadan. Elle est en train d'écrire, suivez. Elle est en train d'écrire, mais dans la bouche. Est-ce que ça casse le Ramadan ou pas? La réponse, oui. Ça casse le Ramadan. À condition, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. À condition que, à quel moment ça casse le Ramadan? Si ce stylo-là, bien sûr, au bout-là, c'était sucré. Ou bien c'était salé. Ou bien c'était pimenté. Là, ça casse à condition, deuxième condition, que tu savais que c'était sucré. Là, ça casse le Ramadan. Mais si c'est un bout de bois, un morceau de bois, ou bien si c'était un morceau de bois, ou bien tu suces ton doigt, parce que ça aussi on a eu cette question-là, quelqu'un qui suce son doigt, est-ce que ça casse le Ramadan ou pas? La réponse, ça casse pas, d'accord? Ça casse pas de sucer son doigt. Après on dit, bon, vaut mieux pas. Mais, par contre, si maintenant ton doigt, ton pouce, en l'occurrence, il est sucré, il est salé, là oui, ça casse, et que tu le sais, d'accord, tu étais à la cuisine et tu sais que là, ça casse. D'accord, mais sinon, tout ce qui est bois, tu manges. Et après, il ne faut pas avaler aussi. Il ne faut pas avaler. Très bien. Question suivante. Une personne qui est muette, comment peut-elle dire la ilaha illallah? Une personne qui est muette. Cette question-là me fait rappeler un homme qui est dans notre mosquée. Mashallah, cet homme-là. Cet homme-là, c'est une personne, elle est douce. D'après ce que je sais, elle est muette et aussi elle n'entend pas. Elle a ces deux défauts-là. Quand on dit défaut, elle a ces deux anomalies. Elle ne parle pas, elle n'entend pas. Comment elle dit là? Et pourtant, elle fait la prière, elle est active, etc. Au sein de la mosquée et tout, et tout, et tout, et tout. Très bien. Et du coup, comment elle fait pour dire la ilaha illallah? Allahu a'lam. Si elle connaît les paroles par une science, on est arrivé à lui montrer, à lui enseigner ses paroles malgré ses anomalies, ben elle le dit avec le cœur. Elle le dit avec le cœur ou bien en bougeant de ses lèvres. Cette personne-là, quand elle nous parle, quand elle essaie de nous dire des choses, elle fait sortir des sons. Sa bouche, elle bouge. Mais bien sûr, c'est des sons difficiles à comprendre. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Si elle le sait, et ça arrive à beaucoup, hein. Alhamdulillah, Allah il nous a épargné de cette maladie. C'est pour ça qu'il faut être reconnaissant envers Allah lorsqu'Allah il t'épargne d'un mal. D'accord? Allah il t'épargne d'un mal, il faut être reconnaissant. Toyib, question suivante. Est-ce que c'est possible de faire de la... Les animaux avec la pâte, les pâtes à sel, etc. Ou est-ce que ça rentre dans le hadith qui fait qu'on copie la création de Dieu? Ahsan. Dernièrement, pour dire directement, dernièrement, j'ai vu mes enfants jouer avec la pâte à sel. Et ils ont fait des figurines, je leur ai dit non, c'est pas bon. Ça m'a rappelé l'histoire du peuple Nuh, alayhi salatu salam, qui ont commencé par faire les statues et tout. Si c'est pas dans un cadre scolaire, si c'est pas dans un cadre scolaire, mais pour vous amuser, après les... Non, je dirais, éloignez-vous de cela. Faites des arbres, etc. Mais les animaux, les personnes, je dirais, même si l'intention, bien sûr, n'est pas après de se tourner autour de ça.
n'est pas de s'incliner devant ces figurines, n'est pas, ça se comprend. Mais par respect pour ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, on s'en éloigne. Barakallahu fikoum. Pour lundi, donc encore une fois, dites-nous si le dars, la suite du dars d'aujourd'hui, si on le fait demain, samedi ou dimanche, ou bien un autre jour. Et lundi, lorsqu'on va faire le dars, inshallah, essayez d'avoir vos enfants avec vous. C'est vrai, c'est le confinement, mais avoir avec vous, c'est-à-dire, parce que le dars, le tawhid, ce livre-là, il est pour eux, inshallah, le livre, hein, ce livre-là. Il est plus adapté à un public jeune pour ceux qui ont donné leur adresse mail, ben, vos enfants ils vont lire en même temps que nous et donc faites en sorte qu'ils soient là. Merci beaucoup encore une fois de votre assiduité. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accepter nos adorations, notre Ramadan. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous élever et nous pardonner. Et encore une fois, n'hésitez pas à passer commande, inshallah, ou bien à en parler autour de vous. Encore une fois, on n'a pas les moyens malheureusement d'être à TF1 ou d'avoir des grands panneaux publicitaires comme font certains, Carrefour, etc. Nous, on n'a que vous pour parler d'Al-Qamar. On n'a que vous pour faire découvrir Al-Qamar à vos proches, à vos camarades, à vos familles. Jazakumullahu khaira wa al-'afwa minkum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le pack Ramadan, le cadeau de ce mois unique. Comblez votre enfant en lui offrant ce coffret composé. Vous trouverez dans ce pack un livre inédit, Le Ramadan dans le monde. Suivez les aventures de la famille Sali. Ils parcourent le monde pour vivre le plus inoubliable des Ramadans. Votre enfant découvrira le Maroc, le Brésil, les îles Comores, l'Indonésie et surtout la Mecque. À travers les activités du manuel, votre enfant apprendra les coutumes, les mets traditionnels, les mosquées, les langues de ces pays et plein d'autres choses. Des incollables, un tout nouveau quiz sur le thème du Ramadan. Défiez-vous en famille, entre amis et enrichissez vos connaissances ensemble. En bonus, mon cahier d'activités Ramadan. Conseils d'alimentation, jeux et mots à connaître. Et surtout, le calendrier des bonnes actions qui motivera votre enfant à donner le meilleur de lui pendant ce merveilleux mois. Enfin, pour féliciter les efforts de votre enfant, El Kamar vous offre le diplôme pour les petits jeûneurs. Pour toute commande, rendez-vous sur alkamar.fr.